Today we're switching things up, not just by the decor you're seeing, but this video is also gonna be in French! But don't worry, there will be English subtitles. Why is it gonna be in French? Because I'm gonna talk about the French publishing industry, and I don't know exactly how it goes in other countries, so this is specific to the French market. Pop culture gal! That's me. I'm pop culture gal. Salut! Donc aujourd'hui, on va parler surtout de l'édition française et d'un gros problème dans l'édition française qui concerne le genre de la fantasy. Ça concerne le traitement des autrices de fantasy en fait dans l'édition française et du marketing qu'il y a sur ces livres. La plupart du temps, si vous allez dans une librairie, une bibliothèque, quoi que ce soit, il y a une catégorie fantasy qui est remplie à 90% de livres écrits par des hommes, là où les livres de fantasy écrits par des femmes vont être stockés ailleurs. Roulement de tambour, je vous laisse deviner où, et ils sont chez les enfants. C'est-à-dire que quand une femme écrit un livre de fantasy, on va le vendre et le marketer comme étant un livre de ce qu'on appelle young adult. C'est un livre jeunesse, un livre destiné aux adolescents. Je n'ai rien contre le genre du young adult ou du livre jeunesse, parce que c'est un genre à part entière qui mérite beaucoup de respect, mais c'est un genre qui se définit par un livre accessible au public adolescent de par son vocabulaire, de par ses histoires, de par ses thématiques, et c'est un genre de livre assez spécifique. Ça veut pas dire que si un livre est young adult, des adultes ne peuvent pas le lire, ou que si un livre est adulte, des ados ne peuvent pas le lire, bien entendu. Mais quand on le market, c'est-à-dire que si on cherche un livre pour des ados, on va aller le chercher dans ces catégories-là de livres, justement, dans ces bibliothèques-là. Et quand un adulte va vouloir acheter de la fantasy, il va se diriger directement vers un rayon fantasy, pas vers un rayon jeune adulte, c'est normal. Par contre, il y a une différence, c'est-à-dire que, par exemple, si vous me dites un livre de young adult, très simplement, je vais vous dire, vous prenez tous les Rick Riordan, quels qu'ils soient, les Percy Jackson, les héros de l'Olympe, les travaux d'Apollon, c'est du jeune adulte, c'est un vocabulaire spécifique. Qui fait très jeune, qui fait plein de choses. Il y en a d'autres, par exemple, tout ce qui est Génération K, c'est du jeune adulte. Bien sûr, c'est un vocabulaire spécifique, quand vous le lisez, vous savez que vous lisez du jeune adulte. Si on va prendre Hunger Games, par exemple, c'est catégorisant en jeune adulte. C'est vendu en tant que jeune adulte, c'est vendu dans le truc. Pour moi, ce n'est pas du jeune adulte. Si vous lisez Hunger Games, on parle quand même de torture, on parle de jeunes qui sont envoyés à la mort, c'est un livre très 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 politisé, mais même dans son vocabulaire, c'est un vocabulaire qui n'est pas du tout destiné à un public jeune adulte, c'est un livre adulte. Ça veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas le lire, on sait qu'il a très bien marché auprès des jeunes. Pourquoi a-t-il très bien marché auprès des jeunes? Parce qu'il a été marketé en tant que tel, c'est-à-dire qu'on l'a vendu comme un livre pour les jeunes, donc forcément, c'est les jeunes qui l'achètent. C'est là qu'on voit la différence de traitement. Mais ça se fait avec tous les livres en fantasy, c'est très très marqué. En fantasy et en dystopie aussi, du coup. Des fois, les éditeurs ont du mal à comprendre que les personnes qui vendent ces livres ont du mal à comprendre que parce qu'un personnage est jeune ne veut pas forcément dire que c'est un livre de jeunesse. Oui, ok, Katniss a 16 ans dans Hunger Games, il n'empêche qu'elle est envoyée à la mort dans un combat de gladiateurs contemporains et que le livre traite de dépression, de plein de choses, mais il le traite sous un prisme très adulte. Le problème qu'il y a, c'est que c'est généralisé, c'était qu'à chaque fois que je cherche une autrice de fantasy, elle ne sera jamais rangée dans le rayon fantasy, elle sera toujours rangée chez les jeunes adultes. On prend par exemple le Prieuré de l'Oranger, c'est un livre qui fait 900 pages, qui est énorme, c'est un mastodonte, on le lit, ce n'est pas de la jeunesse. Les jeunes peuvent absolument le lire, il n'y a aucun problème, ce n'est pas un livre de jeune adulte, c'est de la fantasy adulte. C'est comme De sang et de rage, ou même Une braise sous la cendre. Une braise sous la cendre, c'est un livre avec des mentions très très claires de torture, c'est très sanglant, c'est quand même très dur, mais c'est excellent, mais ce n'est pas du jeunesse. Pourtant, Sabataïr est constamment rangé dans des rayons de jeunesse. Le problème que ça engendre, c'est qu'on dit oui, ces livres se vendent très bien en jeunesse. Pourquoi ils se vendent bien en jeunesse? Si vous vendez un livre dans un rayon jeunesse, on va le vendre comptabilisé comme une vente jeunesse. Donc forcément, si vous le rangez en jeunesse, les gens qui vont aller dans ces rayons sont des jeunes qui sont intéressés par ce type de livre, et du coup ils vont les acheter, donc on va dire ça se vend bien en jeunesse, donc on continue à les mettre en jeunesse, mais si vous les classiez ailleurs, ils se vendraient tout aussi bien. Si tant est que vous en faisiez la promotion, bien entendu. Les ventes dans livres sont impactées forcément par la promotion qu'il y a autour. Que ce soit une promotion sur les influenceurs, les booktubeurs, les bookstagrammeurs, tout ce qui est en ligne, papier, presse, tout ça, enfin faire la promotion d'un livre et comment on le market, c'est très important. Par exemple, dernièrement, le Prieuré de l'Oranger a été nominé pour un prix jeunesse.
un prix français jeunesse. Ce n'est pas un livre jeunesse, c'est clairement pas un livre jeunesse. Comme il a été marketé comme tel en France, il est vendu et promu en tant que tel. Le problème qui fait, c'est que oui, les jeunes vont continuer à les lire, c'est très bien, merveilleux, mais ça ferme tout un public. Ça veut dire que dès qu'une femme écrit de la fantaisie, on la classifie comme c'est pour les enfants. Un homme écrit de la fantaisie, on va jamais le ranger en jeunesse, on va le ranger dans un rayon fantaisie. Ce qui fait qu'il y a une différence. Il y a une différence qui fait que bah, les hommes, les adultes qui cherchent de la fantaisie, ils vont la chercher dans les rayons. Donc forcément, les adultes achetant de la fantaisie et la lisant, et ayant l'acheter dans des rayons adultes, ils vont lire que de la fantaisie écrite par des hommes. Si vous avez déjà lu de la fantaisie écrite par un homme et de la fantaisie écrite par une femme, vous voyez la différence. Il y a beaucoup moins de viols dans l'un que dans l'autre, hein, rien que ça. Mais c'est quelque chose de problématique parce qu'on force un carcan sur ces autrices. Et comme on les market pour les enfants, pour les jeunes, c'est très difficile d'en sortir. De plus, c'est totalement absurde. Personne n'aurait l'idée de mettre Game of Thrones chez les jeunes adultes. Il n'y a que du cul et que de la mort, ouais. Personne n'aurait l'idée de le faire. Alors pourquoi est-ce que dès qu'une femme écrit de la fantasy, on la classe dans les jeunes adultes? On la classe là parce que les maisons d'édition viennent les vendre comme ça, que personne ne remet en question, c'est une habitude qui est en France, mais c'est extrêmement problématique. Parce que ça infantilise déjà les autrices qui ont du mal à, forcément, qui... On dit souvent qu'une femme ça vend moins, une femme ça peut pas écrire de fantasy, la fantasy c'est quand même un milieu très très masculin, les gens s'énervent dès qu'on parle des problèmes d'agression sexuelle dans la fantasy, enfin, il y a quand même des gros problèmes, il faut renouveler la fantasy, mais si on laisse seulement les hommes dans les rayons fantasy, on continue à stimuler ça, à stimuler ce fait que oui, c'est les hommes qui écrivent de la fantaisie, c'est eux qui sont publiés dans la fantaisie, c'est eux qui font ça. Non, c'est entièrement faux. Il faut donner une vraie chance aux femmes. Faut arrêter de les marketer en tant que jeunesse quand elles nous font des livres, des séries de fantaisie absolument merveilleuses qui sont adultes, parce que du coup, les adultes vont moins les lire, forcément. Il faut aller chercher un livre au milieu d'ados de 14 ans et on se dit, attends, est-ce qu'il est vraiment pour moi ce livre? Oui, il l'est, mais il faut persévérer. Moi, je sais que je cherche personnellement des autrices, et du coup des fois c'est un peu con d'aller au milieu pousser les enfants, dire excuse-moi je vais chercher ce livre, mais le fait qu'elle soit marketée là-dedans, qu'elle soit rangée là-dedans, ça limite leur audience à un certain type de public qui est uniquement des jeunes ou des personnes plus jeunes, ou alors des gens qui sont au courant et qui ont entendu parler de ce livre et qui du coup vont chercher ce livre. Ça veut dire qu'on ne leur donne pas assez une chance dans le milieu de la fantasy, dans les gens qui aiment la fantasy, parce qu'elles sont même pas rangées avec les autres livres en fait. Ce qui est, vous l'aurez compris, problématique. Donc c'est un gros problème qui existe en France, partout où vous allez, vous verrez, vous recherchez du Sabataïr, du Tomi Ayademi, elles sont jamais rangées là où elles devraient être. Hein. Mais le priori c'est quelque chose d'assez marquant, c'est un livre énorme qui a eu une grosse pub, mais il est quand même marketé et il est vendu pour de la jeunesse, alors que ce n'en est pas, et si vous le cherchez partout, il y a quelques rares endroits où ils le mettent aussi dans les adultes, ils le mettent aux deux endroits. Vous comprenez bien que parce qu'il est dans les adultes, il reste en jeunesse. Il faut donner une meilleure chance aux autrices, leur laisser la chance de pouvoir vendre un livre auprès d'un public adulte. Merci d'avoir écouté, et la prochaine fois que vous cherchez un livre de fantasy, n'oubliez pas d'aller dans le rayon jeunesse young adulte, parce que c'est là qu'ils sont rangés la plupart du temps, il y en a des très bons spécimens là-bas, et il faut surtout soutenir les autrices de fantasy, surtout si elles sont à l'intersectionnalité de plusieurs minorités. Merci!